quoi être brûlé? Pourquoi on dit qu'on est brûlé? Le système nerveux est brûlé. Parce que c'est du câble. Il a tellement fonctionné, il est comme roasté. Tu sais, comme ta voiture, en est, ça, it mix, ça fait de la fumée. C'est-à-dire, il a tellement été utilisé, il a été tellement poussé, il a tellement été, le tissu a été tellement esquinté que là, il est comme burnt. Comme un câble électrique où on met trop de charge électrique dedans. Il est brûlé. Donc là, après ça, il faut que tu te recouvres si tu es chanceux ou chanceuse. You get what I'm saying? Ce que j'essaie de te dire, c'est que ce tissu nerveux-là, c'est vivant, puis quand tu lui donnes une shot, ça le fatigue. Là, tu lui donnes la shot d'adrénaline, puis là, en même temps, tu ajoutes à ça, wow, double. Si le vecteur de force donne un coup de poing, c'est un gros vecteur de force, il faut que je donne un vecteur de force égal pour pas donner le coup de poing. Hey, c'est quelque chose. Je vais ajouter une petite composante pour ceux qui sont un peu plus habitués à mon langage. L'affaire qui fait que tu retiens ton coup de poing, il y a un code là. On s'entend? Si ton instinct c'est de donner un coup de poing, puis tu as un code qui fait que tu ne donnes pas le coup de poing, c'est un code là. C'est pas ton code. C'est un code. Yes or no? You understand this? Le raton laveur, il n'y a pas ce code là. C'est pour ça qu'il fait peur. Toi, tu as ce code là. Il y a quelqu'un qui te l'a mis là. C'est pas naturel à toi. On te l'a injecté. Doucement, à travers des générations, te l'injecter à travers ce qu'on appelle, soi-disant, la religion, la politique, la philosophie, peu importe. Ce n'est pas pour critiquer, je veux juste que vous catchiez. On l'a injecté. It's a foreign object. Donc, on te l'injecte dans ton propre système nerveux, puis c'est tellement puissant là, que c'est capable de contrer la force impulsive de la nature. Hey, ce n'est pas n'importe quelle injection, ça. C'est un esti de virus. Là. C'est puissant. Maintenant, ce n'est pas pour une critiquer, c'est juste pour vous donner un petit peu de vision. Sur là, tu as l'action d'agir, puis tu as l'action de freiner. À tout ça, ce n'est pas assez, là. Parce que là, si tu es comme ça devant ton boss, ça ne marche pas, il va te regarder. Là, il faut que tu mettes quelque chose. Il faut que tu mettes un personnage. Puis là, chacun a son style dans les personnages. La femme confiante. Le gars toujours gentil, la personne qui pleure, qui est trop sensible, peu importe. C'est une stratégie, c'est pas une critique. Chacun a sa stratégie pour, OK, c'est correct. Ah oui, OK, non, t'inquiète pas, tu vas être capable. Ah, je sais pas si je serais capable de le faire. Mais non, tu vas être capable de le faire, on va t'aider. Ah, merci, boss, merci, je vais travailler super fort pour toi, mais merci de vouloir m'aider. Stratégie. Est-ce que vous catchez? C'est pas une critique. Stratégie. Il y a l'autre, la super femme. Moi, pas de problème, fais ça en 5 minutes, boss, pas de trouble avec ça. Hey, écoute, je me retrousse les manches, j'ai déjà fini, là, tout le temps de la part, on a déjà perdu 5 minutes. Ah, oh, elle, c'est l'employé de luxe de l'année, là, ça, c'est la meilleure, je me sens vraiment à l'aise. Right? C'est des stratégies pour générer une réponse favorable, positive de l'ours. Si tu as l'air bête, parce que ça aussi, c'est une stratégie. Tu penses soit intimider le boss. Des fois, ça marche. Hey, non, ça marche. Si tu as l'air bête avec un petit déguisement d'air, puis là, tu sais exactement où le presser parce que tu vois qu'il est insécure, là, tu sais. Right? Là, il va dire, ben écoute, dans le fond, je vais le faire moi-même, ça va être, tu sais. Une autre sorte de stratégie, c'est de l'intimidation plus subtile. Oui ou non? Vous devez savoir de quoi je parle. Je suis dans une audience, vous devrez savoir très bien de quoi je parle. C'est pas de la critique, c'est la game. Tout ça, c'est pour dire quoi? J'ai trois actions. Je simplifie, là, tu sais. Survie, attaque l'ours, ou s'en va. Deux, freine. Trois, fake. Tout ça, c'est des exigences pour le système nerveux. La morale de ce que j'essaie de dire, c'est que ça prend beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Si tu restes comme ça, là, essayez-le. Là. On va faire ça pendant 5 secondes ensemble. Fort. Vraiment fort, là, jusqu'à temps que vous voyez que c'est blanc comme un joueur de football. Il y a des gens qui vont s'amuser, là, parce qu'ils pourront... C'est quoi le mot que tu nous disais tantôt, genre? Ouais, te distraire? Ouais, t'étourdir. En plus, c'est toi. Oh, regarde la sensation. Wow, ça, je vois des oiseaux, ça doit être... Je m'étourdis avec mon poing. Mais écoute, ça prend... C'est de la job. Ça, c'est vraiment niaiseux comme action. Ça exige au système nerveux. Beaucoup. 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 Et là, tu accumules. Combien il y a d'ours dans notre vie?